Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, on se retrouve pour la vidéo très attendue, je dois bien l'avouer, j'avais hâte d'être fin novembre. Voilà, donc on va venir vider le défi de l'année. Avant, lors du bilan, il manquait 4 euros, donc ce que je vais faire, j'ai de la monnaie. On va le finir. Écoutez, c'est pour le marché de Noël. On va venir le finir. Au moins, là, c'est sûr qu'on l'aura complètement clôturé. Hop. On va les mettre dedans, même si on va les ressortir. Hein, je suis d'accord avec vous. Allez, on vient cocher. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc on a bien mis nos 20 euros. Ah, il y a une petite mini à mes pieds. Donc ça, on n'en veut plus. J'ai quand même pris mon petit classeur, mon agenda budgétaire pour venir noter que j'ai mis 4 euros. Parce que ben, je vais noter aussi dans les économies du mois. Parce qu'après, je vais oublier, puis ce sera légèrement faussé. Même si en soi, il n'y a rien de. Ma petite Mimi, je ne sais pas ce qu'elle a, oui, rien à voir, mais c'est pas grave. Elle grogne vraiment fort. Donc j'ai regardé derrière la porte, au cas où il n'y avait pas quelqu'un, hein, on ne sait pas dans la vie, hein, mais il n'y a personne. Alors je ne sais pas si ça vient des travaux, mais il y a eu des travaux depuis un mois et demi. Et là, elle grogne depuis ce matin, elle n'est pas bien. Bref, donc je surveille. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va déjà vider les pièces, les billets, et puis après, on va venir tout compter. Je ne sais pas si j'en crée un pour 2024, enfin pour là, parce que moi. Moi, finalement, je les commence, les défis de l'année comme ça, je le commence en décembre. Donc, décembre, c'est dans quelques. Ben, c'est la semaine prochaine, quoi. Donc, ouais. Avoir ça. Donc, on a quand même pas mal de billets de 5 hein, dedans. Je verrai si je les échange pas. Je sais pas du tout, on va voir, mais en tout cas, il y en a pas mal. Donc là, on a encore des billets de 10. Alors, c'est vrai que quand j'avais besoin de monnaie, je venais ici pour faire la monnaie. Donc, et il y a les petites pièces encore. Donc ça, c'est pour le marché de Noël qui a ouvert ses portes, ça y est. Il a commencé depuis le 22, mais bon, moi, je ne voulais pas non plus y aller trop trop tôt. Donc ça y est, le défi de l'année, il est tout vide. Bon, finalement, il me restait 3 enveloppes. Au tout début, j'avais mis 12 enveloppes, c'était trop mignon. Mais après, j'ai eu mon Smart Fee, donc voilà. Pour ne pas racheter d'enveloppes à 7. J'avais pris dans mon défi. Donc celui-ci, bon, ben on lui dit à très bientôt. Voilà. On va le mettre de côté. Et puis, ben, écoutez, on va venir compter. Déjà, je vais compter les pièces. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ben, ça va. Hop. Donc 10 euros. Là, il y a 2, 4. 6, 7, 8, 8, 59, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah, on a 20 euros en pièces. Hop, on va essayer de mettre pour pas que je sens que ça va tomber. Donc là, en pièces, on a déjà 20 euros. Ok. Donc 20. 20, 40, 60.
80, 100, 120. Ok, 120. 120, 130, 140, 150. Bon, dis donc. Oui, je vais les mettre dans l'ordre quand même. 150. Arrêtez, parce que après, je vais me perdre. 150, 160, 170, 180, 185 euros, les amis. Waouh! Oh, je suis vraiment. Je sais pas quoi dire. Je savais que ça allait dépasser les 100 euros. Mais là, 185, j'ai dit. Comme ça, et mon petit cerveau, il se rappelle plus déjà. Hop, donc en monnaie, on a 20 euros. En billet de 20 euros. Oh, purée, un gros Nabucco. Oula, il vit, hein. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, un billet de 20 euros, on a 100 euros. Attends, non, 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 bébé, attends, maman, elle compte. Reste là, mais maman, elle compte. Tu peux rester avec nous, t'as le droit. Mais mets pas ta grosse tête à chaque fois sous l'écran. Sinon, comment je fais, moi? Il boude. Il est à côté, vous inquiétez pas. 30 euros en billet de 10. Oh, bah, il est fermé, lui. 30 euros en billet de 10. Et en billet de 5, on a 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et en billet de 5 euros, on a 35 euros. Donc ça fait 5, 3, 6, 7, 8, 185 euros, les amis, pour le marché de Noël. Oh, mais ça va être merveilleux cette année. Oh là là, parce que d'habitude j'ai des petits sous, mais j'ai pas. Voilà, il peut faire des petits tours de patinoire. Ouais, des tours de patinoire. On peut prendre des petits churros, mais on peut pas se lâcher complètement. Que là, ouf, oh là là, ça va être tellement merveilleux. Oh, je suis trop contente. Alors là, il est certain qu'en décembre, je le commence. Je vais voir. Parce que je ne sais pas si je reprends les petites feuilles de blush, si je les réimprime tout simplement, ou si bah, j'en crée un, mais j'essaye là, j'ai essayé ce matin un petit peu de commencer à en faire un, hein, mais ouais, je sais pas trop les amis. Je vais piquer une enveloppe de Théo. Parce qu'il lui en reste des vides. Hein. Donc, je vais lui prendre celle-ci. Hop. Et je vais simplement tout mettre dedans. Et ben, dis donc, 185 euros. Waouh. Ça va être merveilleux. Mais vraiment, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente pour les enfants. Parce que cette année, je vais pas leur dire, ah bah maman, elle peut pas. Là, ça va être, mais oui, oui. Oui, bien sûr. Tout à fait. On peut. Allez, go. Hop, je garde ça. Voilà, pour me rappeler qu'on m'aille. Hein. Parce que sinon, après, je vais plus m'en rappeler. Et voilà. Voilà, notre petite enveloppe pour le marché de Noël est prête. Donc là, on va y aller. Je pense qu'on ira faire un petit tour ce soir. J'ai envie d'y aller vers 17h quand il commence à faire un peu nuit. Même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le temps idéal. Enfin, si, c'est le temps idéal parce qu'il fait froid, il pleut. Mais en même temps, il fait froid et il pleut. Et je sais que Théo voudra faire la patinoire. Donc en tout cas, c'est certain que demain samedi, on va y aller. De toute façon, je vous filmerai, hein, je vous filmerai ça, quelques petits moments, comment est le marché de Noël, et ouais, je suis trop contente. Alors, je vous invite, les amis, grandement à faire ce petit défi. Je sais pas si Blush l'a encore dans ses... c'était un outil gratuit, je sais plus. Je sais plus du tout. Il faut que je regarde...
Mais en tout cas, essayez de trouver un petit défi que vous pouvez faire tout au long de l'année et vous gardez les petits sous de côté pour le marché de Noël ou pour Noël, hein, parce que franchement, 185 euros en plus pour Noël, pour le repas, pour je sais pas, c'est toujours bon, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours ça en moins à dépenser. Eh ben, au mois de décembre, hein, parce que finalement, le mois de décembre est un mois de dépenses malgré tout. Enfin, de dépenses, non. Enfin, pour ma part, non. Mais c'est vrai que, voilà, on se dit, oh là là, on va se faire plaisir quand même. Et des fois, on n'a pas forcément les moyens. Donc là, ça peut pallier à cela. En tout cas, je suis trop contente. Je vais le refaire dans la joie. Et la bonne humeur pour l'année prochaine. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là. Alors je ne sais pas si je vais mettre celle-ci avant le moment de vie. Je ne sais pas du tout. En tout cas, passez un doux week-end les amis. Moi je vous retrouve lundi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!